Bonjour tout le monde, j'ai décidé de faire une petite lecture d'âme ce soir parce que j'ai une petite pause comme ça, puis ça me tentait. Donc, c'est pas sûr que je vais en faire à tous les jours cette semaine, puis je vais peut-être être un petit peu d'ici lundi prochain, là, même peut-être pas lundi, dans la semaine prochaine, je devrais rétablir mon horaire normal. C'est que mon conjoint et moi, Michel et moi, nous allons nous marier vendredi à 19h. C'est quelque chose que j'ai reçu en canalisation il y a au mois de mai, là, milieu mai environ. Donc, puis on se marie vendredi cette semaine, le 25 juillet à 19h. Donc, si vous pouvez nous envoyer un petit peu d'amour et de lumière, ça va nous faire vraiment plaisir. Donc, je vous demanderai tout simplement de vous recentrer, centrer au niveau du cœur, pouvoir émettre une intention à l'univers, de recevoir un message pour votre évolution, votre guérison dans le moment présent. Donc, je vois beaucoup, beaucoup de guides animaux aujourd'hui qui sont présents. Il y a un guide qui est là pour certaines personnes d'entre vous, pour vraiment vous aider si vous avez l'inspiration de faire des rassemblements. De quelconque, ça peut être spirituel, ça peut être n'importe quel type de rassemblement. C'est comme si vous aviez ça à faire là, dans le moment présent, rassembler les gens. Ça vous interpelle, c'est à vous. Pour d'autres, c'est sûr qu'il y a l'amour inconditionnel qui est beaucoup, beaucoup présent. Le dauphin m'apparaît beaucoup, énormément. C'est vraiment l'amour inconditionnel. Aller vers une guérison sonore, peut-être plus, pour vous aider. Le son, ça vous aiderait beaucoup plus. Il y en a d'autres que c'est par le magnétisme, la guérison, les choses à être faites. Il y en a d'autres qui sont là aussi. Il y a des gens qui ont des projets. Il y en a d'autres que je sens. Peut-être qu'il va y avoir des personnes qui vont comme être enceintes là, ou qui pensent avoir des enfants, tout ça. Donc, c'est ce que je vois beaucoup, beaucoup dans votre énergie aujourd'hui. Les guides animaux sont très présents. Quand je fais des lectures d'âme, je vais voir plusieurs types de guides, mais les guides animaux sont souvent là pour venir donner. Souvent, c'est un guide animal, des fois, qui fait juste passer parce qu'on a des choses spécifiques à faire dans le moment présent. Puis, il y en a d'autres qui sont là. C'est un guide qui est là plus souvent. Donc, dépendamment. Si ça vous interpelle, vous pouvez toujours faire appel à moi pour une lecture d'âme. Ça va me faire un énorme plaisir. Tout simplement m'écrire ou me téléphoner à Chantal, pas de E, A commercial, coaching Chantou, chantou.com. Vous pouvez toujours aller voir mes sites internet, le www.coachingchantou.com ou www.chantalleduc.ca. Vous allez avoir mes coordonnées sous l'onglet contact sur ces deux sites-là. Donc, puis je suis toujours à la recherche d'exposants pour le salon qu'on va faire, Michel et moi, à l'automne à Valley Field, les 18-19 octobre 2014, au Camp Bosco à Valley Field. Santé, salon. Salon santé, mieux-être, spiritualité, de retour à la source. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis merci et à la prochaine.